Coucou YouTube, on est dans un nouvel épisode du Web Tour Pro. Le Web Tour Pro, c'est pour l'association Arc-en-Ciel qui vient en aide aux enfants malades. N'hésitez pas, si vous voulez faire un petit don pour l'association, le lien est toujours dans la description. Maintenant, je vous laisse avec notre ami Eric Le Carleur, notre ami Passion Rénovation et quelques rushs de Artibat. Parcours. Alors moi, en fait, j'ai commencé tout simplement ma vie sur les pages jaunes. Les pages jaunes, on peut vous renseigner? J'ai ouvert les pages jaunes, je suis tombé sur Carrelage et en fait, je me suis dit, ben pourquoi pas. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai un frère qui a un an de plus que moi. Quand t'as un frère qui a un an de plus et qui travaille, tu vois, qui commence à gagner de l'argent, eh ben t'as envie de faire un petit peu comme le grand frère. Mais vraiment, le Carrelage, c'était un pur hasard et du coup, ben, depuis 2001, à mon compte, eh ben ça marche. Moi, par rapport à mon expérience dans le bâtiment, j'ai tout appris sur le tas. J'ai travaillé pendant mes études, durant les vacances scolaires, avec une entreprise qui faisait tout le second œuvre. Du coup, j'ai pu apprendre au contact des carreleurs, des plombiers, des peintres, des électriciens. Et ça m'a vachement apporté pour les rénovations futures que j'ai faites parce que j'avais envie de vivre dans des appartements de qualité. Hein. C'est toujours un petit peu l'objectif d'une vie. Hein. Et là, voilà. Là, c'est le summum, c'est la maison de qualité. J'ai pu rénover plusieurs appartements avant de me lancer dans cette grosse rénovation. Et je trouve ça plutôt cool de pouvoir faire de ses mains quelque chose après dans lequel on habite. J'ai fait un CAP BEP que j'ai eu, bien sûr. Et j'avais participé aussi à l'époque, c'était la Coupe du Monde 98. Et j'avais participé au concours du meilleur apprenti de France. C'était déjà pas mal. Et gagné ou pas? En fait, j'étais assez perturbateur en classe. Donc, du coup, j'ai pas fini. En général, ce que je préfère quand je bricole, c'est soit l'électricité, soit la plomberie, parce que c'est pas trop sale. Et puis ça va vite, ça a un petit côté magique. Après, tu fais l'interrupteur, tu fais tac, oh, ça s'allume, tu rééteins l'autre, tu l'éteins, c'est un va-et-vient. Puis en plus, si tu mets des LED, alors là, c'est magique, là. Ça te fait un effet moderne. En fait, j'aime vraiment tout, sauf le truc physique parce que c'est usant. Avant, après, les transformations, quand t'arrives, et ben, du coup, il n'y a rien de fait. Et quand tu repars, t'as le sourire du client. Et ce côté artistique de notre métier, en fait, j'adore vraiment. À la base, YouTube en 2006, c'était juste une plateforme vidéo. Les réseaux sociaux, ça n'existait même pas. Facebook, je sais même pas si ça existait quand j'ai créé mon compte YouTube. Mais moi, j'aime bien partager ce que je fais. J'ai commencé avec Winter Activity, qui était une chaîne de sport outdoor. On faisait beaucoup de ski. Donc, on se filmait en train de rider sur ces montagnes magnifiques. Et la suite, ça a été l'achat de cette maison et je me suis dit pourquoi pas faire la même chose sur de la rénovation. Je me suis limité à des épisodes un peu simples au début, ça me prenait une journée de montage, ça me prenait pas trop de temps. Quand j'ai tout cassé, c'était impressionnant, c'était joli. Et puis après, l'engouement total, tout le monde qui me dit « fais plus de vidéos, fais plus de vidéos !» Depuis, j'en fais moins. Pourquoi je me suis lancé sur les eaux? Pour le fric. Non, arrête, coupe hein. J'ai voulu partager mon métier. À l'époque, j'avais rencontré Laurent, qui commençait aussi. Et en fait, je me suis dit, tiens, pourquoi pas montrer un petit peu ce qu'on fait. Et puis, en montrant de fil en aiguille, ben, du coup, ça a marché. On a pris des abonnés et ils nous en demandent ben, toujours plus. On a toujours envie de montrer le petit détail de plus. Et j'avais commencé à l'époque sur YouTube. Et Instagram, c'est venu après. On va retrouver ben, le quotidien de nos chantiers, tout ce qu'on fait en live, entre guillemets. Et YouTube, on est plus axé sur les tutos vraiment complets où on va montrer notre savoir-faire et le final du chantier. Par rapport à ça, je fais quand même maintenant attention à ma vie privée un petit peu parce que je me suis fait avoir dans le passé. Donc je garde pas mal de choses un peu secrètes, pas comme mon adresse. Merci les fans qui venaient de me déposer des petites bières devant la porte et tout. Ça, bon, les gens savent un petit peu que j'habite à la montagne, dans les Pyrénées. Je partage quasiment tout à part ma vie privée. Ouais, je partage un peu ma vie privée aussi parce qu'on voit les copains dans Winter Activity, on voit Julie, on voit Solane, du coup on voit plus trop Solane.
Il est parti, qu'est-ce que je te dis. Ma limite sur les réseaux, c'est vrai que j'évite la vie de famille perso. J'en montre un petit peu de moi, mais tu vois, tout ce qui est enfant, femme, tout ça, c'est pas trop mon truc. Et pareil sur les réseaux, on fait attention aussi chez les clients, pas de filmer les photos, tout ce qui est très personnel. Face cam ou caméra sur notre travail. Mais bon, en même temps, la famille, je crois que je la montre tous les jours. Ah bon ? Famille, ouais. Elle est là, ma famille. Ah ouais ? Ouais. C'est moi la famille ? C'est toi la famille. Oh, okay. C'est... Ah, t'es chier. Tu disais pas ça hier, toi. Ce que t'aimes pas, j'aime. Et ce que j'aime pas, tu aimes. Voilà. Donc c'est top. On arrive à. Et pas tout. T'aimes l'andouillette. Et moi j'aime bien aussi. Ah enfin, ouais. Il l'a fait. Il sait. Oh, franchement, il sait faire l'andouillette avec des oignons et du vin blanc et des tomates. C'est une tuerie. Bah déjà d'une, parce qu'on a trouvé ça super fun et il y a quelque chose qui nous tient à cœur, c'est vraiment au niveau de l'association Arc-en-Ciel pour les enfants malades. D'ailleurs, je vous invite même à faire un petit don si vous pouvez, il y a le lien dans la description. Je crois que les autres, ils ont été payés pour ça en plus. Vous nous avez proposé de nous payer 10 000 euros par personne. Je te file 15 000 balles, tu dis ce que je veux. Moi, le business, c'est pas mon truc. Après, il y a quand même le côté caritatif où l'association Arc-en-Ciel qui aide des enfants malades va être aidée par le Web Tour Pro, donc c'est plutôt cool. Et dans l'aide, l'entraide, la solidarité, ça c'est du passion rénovation à fond, quoi. Ouais, et au fait, Mika, quand c'est que tu nous invites avec Joe, moi et Lucas pour aller skier ? Ça nous intéresse. Franchement, on a vraiment envie d'être compétiteur avec toi. Ou le parapente. Aussi. Ouais, ok. On attend ta réponse. On est motivé. Bon, Eric et Johan, là, vous voulez que je vous invite à la montagne ? T'inquiète, la salle de bain, elle va bientôt être prête, il va falloir la carreler. Mur, plafond, sol dans la salle de bain, partout. Et du coup, vous pouvez venir si vous voulez. Je pense être prêt sur la salle de bain en décembre, vers le 10. C'est pile quand la station elle ouvre, on pourra s'arranger si vous voulez skier. Ici, c'est le squat, c'est l'auberge savoyarde. Il n'y a pas d'espagnol, désolé. Bon, où est-ce qu'on est aujourd'hui, Eric ? Aujourd'hui, on est à Artibat. Artibat, c'est quoi ? C'est un salon avec combien ? Il y a 1000 exposants ? 1000, ouais. 1000 exposants, c'est énorme. Tu me suis ? Allez. Allez, on est parti. Allez. Col d'équilibre, il était en ski à Saint-Lary, ce qu'ils font, j'y vais à faire. Ce qu'il appelle, je fais du bien. En fait, alors je t'explique, parce que cette année, on va accentuer beaucoup, nous, sur les EPI et la sécurité. Il faut mettre ça, parce que si tu mets pas les genouillères ou les supports à genoux, regarde ce qui t'arrive. Il t'arrive un bobo après, tu fais un nigroma. Bonjour, bienvenue dans le Web Tour Pro, qui arrive dans non, ton non, dans le champ. J'ose pas tourner la tête, Son of Metallery, ma belle verrière. Je vous laisse. On est sur la fin du Web Tour Pro, on est sur la fin de l'épisode sur Artibat. On se dit à un prochain épisode rapidement, on va rencontrer notre ami Make in France. Pense à nous rappeler, Cédric. N'oublie pas la chanson d'amour que je t'ai écrite. C'est vrai ça. Vraiment. Un extrait maintenant de la chanson d'amour. Je sortais vraiment du lot par rapport aux autres. C'est beau ce que tu dis. Puis tu m'as regardé avec ta belle vis aux yeux. Placement de produits. Du coup, n'hésitez pas, le lien pour l'association Arc-en-Ciel est toujours dans la description si vous voulez faire un don pour cette association, c'est dans la description. Pensez au petit pouce bleu. Eh oui. Un petit pouce bleu. Bien sûr. Un petit commentaire. Et abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne, ouais, c'est important. Sons of Metal. Sons of Metal. Eric Le Carleur. Ouais. Voilà. Jeux sur le carrosse. Voilà. Ah, moi, vous cherchez sur YouTube, puis vous allez me trouver.